premier coup de filet dans le cadre de l'opération Épervier 9 à Gagnoa, un fumoir à ciel ouvert a été détruit, entraînant la saisie de boulettes de cannabis, une paire de menottes et un chargeur d'armes à feu. Nous procéderons au cours de cette opération au démantèlement et à la destruction des fumoirs, à la lutte contre les véhicules aux plaques d'immatriculation fantaisistes et aux vitres teintées. L'opération Épervier 9 a été lancée au niveau local à la mairie de Gagnoa en présence de Fofana Lassina, le préfet de la région du Gord, et des différentes couches de la population de cette ville. Selon le préfet de police du Gojibwa, Bois Kwasi Jean, cette opération consiste à sécuriser le Gord et le Lojibwa pendant les fêtes de fin d'année. L'officier supérieur a noté qu'une lutte sera également menée contre l'incivisme. Je pense qu'aujourd'hui, pour la sécurité des gens, de bien des personnes, nous ne pouvons pas mettre au-dessus de cela des recherches d'argent. Mais je pense que ça a été progressif. Je pense qu'avec, d'abord, il y a eu l'interdiction de boissons. Ça a laissé le temps, je pense, aux gens d'écouler les boissons. Je pense que c'est des choses avec une approche participative. On peut permettre aux opérateurs économiques de rattraper ce qu'ils ont dépensé. Mais comme tu dis, avec une approche participative, on arrive à régler les questions. Les différentes personnes interpellées dans les fumoirs seront entendues et traduites devant la justice, a fait savoir une source policière.